Oh, il dit, si je voyais ma celle-ci là, non. Non, 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 non. Je devais dire que mamie Chaka, mamie, tu bois quoi? Dis-moi, quel champagne tu bois? Bien glacé à la pluie. Comme Josie aime sa part toujours glacée, la maman. Hey! Wow! Les choses se passent, la famille. Vous connaissez? Ah, moi, je suis Miss Congo, ça, international. Donc, quand je vois là, la maman. Donc, depuis l'autre jour, je vois les gens font des vidéos, certaines personnes, ils font des posts. Est-ce que vous avez compris que, le restaurant est monté, c'est descendu. En tout cas, même la page, là, on a changé le nom de Panamera ou c'est Panamera Longo. Oh, on a mis maintenant que, ceci, c'est là. Maman. Les gens ont parlé, les gens ont envoyé les emails, les bas messages à Marcelo. On a dit son audio. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Certaines personnes ont même dit comment, oh, apparemment, elle a vendu, oh, allège, lui, oh, je n'étais pas là-bas. Que apparemment, Poupée a vendu, oh. Oh, certaines personnes ont même dit comment, oh, apparemment, ils ont ouvert ça, mais les vendeuses ont fait ceci, fait cela, oh. Les gens n'ont pas dit quoi. Plusieurs personnes, ils ont donné des raisons que, voilà Poupie alors qui restait. Maman, elle voit son téléphone. Tchangan, tchangan. On ne fait que l'appeler. On ne fait que l'envoyer les messages. Comme un. Bon, il veut dire quoi? Comme une star, non? Comme une star qu'elle est. Elle dit, ah, elle va faire comment? Hein? Comme elle adore alors ses fans. Hey, elle va sortir, dire à ses fans vraiment que voilà. Voilà alors Poupie alors Marcel. Et que Marcel qui fait un post sur sa page. Elle dit les 16 vérités sur Panamera Lounge, direct à 16h. Mamma mia! Il dit, même ceux qui étaient au travail, ils ont pris les excuses pour rentrer à la maison juste par rapport au live de Poupie. Comme nous tous, on aime le Congo, ça là, non? On voulait vraiment connaître qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Poupie, là, elle change le nom de sa page pour mettre où c'est quoi, d'un peu tout là-haut. Hey! Il dit, il fallait voir comment les gens s'apprêtaient pour aller s'asseoir dans le live de Poupie. À l'heure que je vous parle, le live là a déjà plus de 230 quelque chose, c'est 40 quelque chose de vues. Il fallait voir comment les gens couraient pour aller s'asseoir et comprendre ce que Poupie avait à dire. Poupie, alors, là où je dis que si je la voyais, je devais lui donner un champagne. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite la fois passée? Bon, c'est pas que je ramène son nom ici, là. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait la vidéo sur ça. Que je vous avais dit qu'au lieu de cette star-là que vous connaissez là, au lieu d'aller mettre les gens dans l'ongata, elle devait prendre l'opportunité là, non, pour faire son petit marché. C'est ça, les réseaux sociaux. Jusqu'à, je disais que, ah, jusqu'à demain, hein, j'apprécie certains stars nigériens parce qu'ils hein, connaissent ce qu'on appelle le buzz. Ils connaissent valoriser le buzz là. Au moment où ça chauffe là, tu fais ton marché là, clair, cool. Tu dois vendre. Voilà Poupie qui reste et joue la musique de Blanche Bali. Que nous tous nous aimons la maman. Oh, elle joue la musique, elle joue la musique jusqu'à oh, ces 15 minutes de musique que Poupie a joué. Les gens étaient toujours là pour attendre. Oh, le Congo, ça va faire quoi, Jago? Oh, la vie des gens, oh, vous voulez toujours tout entendre. Oh. Ils étaient là-bas. Il dit, Poupie a joué la musique pendant 15 minutes. Après la musique, pour vous dire que j'ai bien suivi le live. Après la musique, Poupie ramène ses produits. Oh, Poupie sort la carte caisse. Après les produits, c'est là qu'elle va vous dire les 16 vérités sur Panamera Lounge. Ok, oh. Poupie sort ses produits en tant qu'une fille bamie qui connaît bien ce qu'on dit que le business est. Elle met son business devant avec tout le monde là qui la regardait. Maman, vous voulez que elle pas causer du business à la fin pour que vous n'achetez pas les produits comment? Poupie ramène alors ses produits. Elle vous dit que voilà, le produit là c'est quoi même? Je ne suis même pas en train de faire la publicité, hein? Mais la manière qu'elle a parlé m'a plu, maman. Elle dit où c'est Jessica quoi? Où c'est? Waouh, Josie, tu oublies aussi quoi? Attendez, je suis sur sa page, Jessica Fresh. Voilà. J'ai bien vu maintenant. Parce que avec l'autre téléphone, je suis sur sa page. Pour ne pas faire.
les erreurs. Bon, elle a dit, bon, elle va parler de Jessica Fraîcher. Avant de vous dire les 16 vérités de Panamera Lange. Là, voilà, elle fait sa publicité. Elle fait, oh, il faut laver donc plutôt comme cela pour que ça soit fraîche comme ceci, c'est là. Elle a tout dit. Après, vous connaissez ce que Poupie a fait. Tantine Poupie dit que les premières 100 personnes à acheter le Jessica Fraîche. Bon, elle doit vous donner 16% de réduction. Que là, aujourd'hui, là. Bon, si vous commandez, elle va vous donner 16. Oh, Josie, oh, tu connais faire la publicité des gens gratuits. Oh, c'est ça qu'on me connaît avec. Oh. Wow. Maintenant, elle vous dit ceci, là. Que les 16% qu'elle est en train de vous donner, là, non. Et que c'est ça les 16 vérités de pas. Ah, excusez-moi de rire, mais il fallait que je libère. Donc, elle a fini de parler, de faire sa publicité, non. Elle vous a dit d'aller acheter. Elle va dire que vous aurez les 16% là. Et que les 16% là, c'est les 16 vérités qu'elle voulait parler, vous dit. Après, cela dit, je remercie tout le monde qui me soutient. Je remercie mes fans. Je vous remercie tellement parce que vous me soutenez. Tout ce que je mets la main, vous êtes toujours là. Elle vous a remercié. Tout et tout et tout. Oh, 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 oh. Après, elle vous a dit que bye bye. Waouh, ça fait alors comment? Mais il est bien vrai. Moi aussi, Josie, je voulais vraiment comprendre en tant qu'une Miss Congo ça, mais il dit vous toute tout le monde qui était là-bas là, c'était pour connaître quoi dans la vie privée des gens. Elle a ouvert son restaurant. Si elle décide alors de vendre, c'est son restaurant. Si elle décide de changer le nom de la page, c'est sa page. Elle décide de faire ce qu'elle veut avec sa page. Bon, elle vous introduit alors un autre business. Peut-être que l'autre n'a pas marché. Il y a des business comme cela, tu mets l'argent après, hein? Après, tu te retrouves que vraiment l'argent que tu as même mis là, tu ne vois rien. Tu dois faire comment? Tu dois toujours continuer dans ce business parce que tu veux plaire aux gens des réseaux sociaux. Non, 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 non. Dès que tu investis dans un business, disons même que tu mets 100 000 et que tu vois que, les 100 000 que j'ai mis là, je ne vois même pas 1000 francs passer, mais non. Tu dois faire comment? Juste parce que tu as envie de plaire aux gens des réseaux sociaux, tu n'as pas envie qu'on dise que, oh, Poupie a ouvert le restaurant, oh, elle a. Toi, te voilà, alors je vois même t'endetter pour continuer avec le restaurant. Non! Hein? Elle a vu que peut-être le restaurant ne marchait pas. Je dis peut-être, je suppose, hein, que ça ne marchait pas. Elle a dit, ok, peut-être, où c'est Jessica Fraîche. Peut-être aussi ça va marcher. Elle a changé. Bon, pour vous, alors, ses fans, si vous l'aimez vraiment, vous allez continuer avec le même système à peut-être l'assister ou bien peut-être faire les achats chez elle, vu que c'est un autre business qu'elle vous a introduit dedans. C'est pas que vous allez vraiment rester et à gauche, oh, Poupie, vous avez compris que, oh, son gars a pris, oh, à d'autres, Poupie, elle a changé de nom, oh, yeah! Bon, Poupie, hein, je lui donne le chapeau, elle connaît ce que, il a dit comme le buzz était chaud là, comme son nom est chaud là, elle a dit, pardon, laissez-moi ça, je vais les présenter mon produit et tout le monde était là pour attendre, pour écouter la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre vraiment. Ya! Yeah!